Monsieur Jérôme Coumet, pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire. Merci, Madame la maire. C'est la reprise d'un vœu voté à l'unanimité du Conseil du 13e arrondissement. Après tout un travail de réflexion, puisque, comme vous le savez, le 13e accueille le plus grand quartier asiatique d'Europe. C'est comme ça que nous avons l'habitude de l'appeler. Et cela, évidemment, nous donne un certain nombre de responsabilités, notamment en matière culturelle. Donc nous n'avons pas attendu ce vœu. Il y a eu beaucoup de manifestations organisées au fil des ans, à l'occasion du Nouvel An, puis de la Fête de la Lune, et puis un certain nombre d'actes forts. Une première porte qui a été installée dans le 13e de manière très artistique avec l'artiste Georges Rousse. Mais se pose la question notamment de l'implantation d'une arche plus traditionnelle, telles qu'elles existent dans tous les quartiers asiatiques du monde, puisque les associations avaient fait des recherches à ce sujet. C'est cette orientation qui est proposée à notre conseil, d'accompagner l'installation d'une arche traditionnelle dans le 13e, et puis plus largement d'imaginer de nouveaux circuits de découverte ou de rappeler l'histoire des migrations. C'est ce que nous faisons en ce moment d'ailleurs avec le musée de l'immigration qui en ce moment accueille une exposition justement sur les immigrations asiatiques. Voilà, c'est donc la reprise de ce vœu unanime du Conseil du 13e. Merci.